J'ai décidé de faire comme Indiana Jones, de sauter dans le vide et de créer une web-série qui s'appelle Planète Bureau, à énergie positive, sur le développement durable dans le monde du travail. Vaste programme. Les Français ont beaucoup changé. Ils posent plein d'actes concrets chez eux. Et puis ils arrivent dans le monde du travail et c'est le why total, c'est la bérésina, c'est le gâchis, c'est la non-conscience, très souvent. Et donc ils deviennent schizophrènes, nos pauvres Français. Et donc l'idée, c'était de toucher le monde du travail, de donner un outil humoristique, 3 minutes, voilà, c'est sur Internet. Parce que la fiction, ça fait rêver tout le monde, quoi. Ça transcende le message. Au lieu d'être un truc documentaire, là tout d'un coup, c'est le personnage de chair et d'os avec des faiblesses, des trucs comme ça. On se reconnaît tout de suite. Et du coup, voilà, un petit clin d'œil, on peut sourire et le message passe mieux. C'est donner aux gens un petit plus, une idée, une info, une image. Une image vaut 1000 mots, hein, on le sait. C'est de l'humour et en même temps, bon, on travaille qu'avec l'ADEME, avec des professionnels pour chaque message est pesé. Les responsables du développement durable en entreprise, ou de communication, ou RH, ou tout ça, ont du mal à faire passer le changement. Et donc, c'est un outil. Et il y en a plein qui nous remercient, qui nous disent merci parce que ça fait passer ça avec humour et on en a bien besoin. Le ministère du développement durable vient de nous acheter les droits de tous les épisodes pour les formateurs. Il y a des profs qui l'utilisent. Ça fait tache d'huile dans toute la France en ce moment. Ça nous appartient plus et ça a même été traduit en Chine. Et ça, c'est grand. Parce que, à mon avis, ils vivent des choses très différentes de nous, mais c'est pas grave. Ça m'a fait plaisir. J'ai commencé l'art, le spectacle, à l'âge de 3 ans. Et j'ai tout de suite eu envie de participer au changement du monde. J'ai toujours eu le sentiment d'être un artiste utile. Donc j'étais à contre-courant à des époques où vraiment ça parlait absolument à personne. Et moi, je prenais mon bâton de pèlerin, je montais des spectacles, j'allais au milieu des gens, je faisais des têtes de rue, c'était pas la mode. Enfin, voilà, j'ai toujours mis mon expérience humaine, ma spiritualité, mon sens de l'éveil, de ce vers quoi va la société, les pionniers, sentir où sont les pionniers, et de redonner ça à travers les spectacles. C'est vraiment me mettre au service des changements de société. Et de faire comme un entonnoir, mais c'est comme vous faites, quoi. Mais sauf que moi, c'est par la fiction. Un artiste qui se dit utile, c'est complètement méprisé. Mais incroyablement, enfin, il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, même je faisais du développement durable, enfin, à l'époque, ça s'appelait l'environnement. Mais on me regardait, c'était juste si on vomissait pas, quoi. Comment un artiste peut s'occuper de ça ? Le changement de mentalité, il prend quand même du temps. Au niveau des structures, je trouve que les structures sont toujours en retard par rapport aux mentalités. Toujours, toujours, toujours. Il y a un décalage. Moi, je suis plutôt jeune. On s'est usé aussi, avec le piolet, à avancer, 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 en se croyant seul, alors qu'on ne l'était pas. C'est ce qu'il disait sur les créatifs culturels. Le grand problème des créatifs culturels, on est 21%, mais on ne se connaît pas entre nous. Le premier conseil que je donne, c'est de ne pas être tout seul. Parce que l'union fait la force et que le monde est quand même pas facile. Il faut chercher ses frères, ses sœurs, faut essayer de s'unir, quoi. Mais quand je rencontre un brother ou une sister, on se fait du bien. On se redonne du jus, on se redonne le moral et pour avancer chacun dans son coin ou pour s'unir pour des projets ponctuels ou de longue haleine, quoi. Il y a 3 ans, moi je trouvais que les mentalités au niveau du développement durable, de l'écologie, était longue, longue, longue à rentrer dans la pratique, c'est-à-dire dans les actes concrets du quotidien. Et donc j'ai rencontré une productrice, Laurence Leblévesque, qui a parié avec moi, qui est quelqu'un qui a un cœur gros comme ça, qui m'a dit « Je suis une fée qui a vu nos spectacles, qui a dit « Mais racontez-moi vos rêves, je vais voir ce que je peux faire. » Et je lui ai dit « Mais j'aimerais mettre sur Internet une série de vidéos, de fiction, voilà, un petit feuilleton, qui fait passer, pareil, des petites idées de développement durable, mais dans le monde du travail. Pour le moment, il y a 13 épisodes. C'est de la fiction professionnelle, acteurs professionnels, super techniciens professionnels, des super moyens. On a voulu vraiment mettre le haut de gamme, c'est-à-dire qu'on parle du stress au travail, on parle de l'utilisation du papier, on parle de la résistance au changement. Et là, il y a de quoi faire. Et là, on est tous concernés. Et alors, il y a 5 personnages récurrents, très marrants, qui sont tous un peu des parts de nous-mêmes, quoi. Évidemment, il y a la responsable du développement durable, qui est parachutée par Paris dans l'entreprise pour faire,
pour mettre tout le monde au vert. Évidemment, ben voilà, il y a le chef à l'ancienne qui veut pas. Chacun a une petite part de nous-mêmes, quoi, par rapport à ça. Et c'est très marrant. Mais c'est surtout positif. C'est pas le truc drôle, poète. C'est positif.